Bonjour à tous et à tous, c'est Nathendo et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Octopath Travelers 2. J'espère que vous allez bien. Dans l'épisode précédent, nous avions fait le premier étage de la pagode avec une équipe qui était un peu bancale peut-être. Mais je ne sais pas si pour le deuxième étage, nous allons avoir besoin de cette équipe ou faudrait changer. Mais de toute façon, je suis même pas sûr qu'on puisse changer et il faut retourner dans une ville pour changer d'équipe. Donc on va voir. On va passer à la troisième épreuve. Ready when you are. On verra bien ce qui se passe. Alors. Try again. My turn. Crains l'épée. Ce qui, pour le voleur, est pas mal. L'action arrive tôt dans la partie. Plus dans le tôt dans le tour. On est à 2000. C'est pas mal. Alors, nous avons Temenos, qui est prêtre et érudit. Est-ce qu'on n'utiliserait pas juste l'analyse? 100 000 PV. Ok, il en reste 98. 98 000 PV. Le personnage ne touche pas plus seulement lui mais aussi ses alliés. Un malus en bonus. Si on a besoin de régénérer des PT peut-être. On va voir s'il craint la lumière, je suis pas certain. Non. On va se rendre 7 PT, 8 peut-être, non 3. Ouais, c'est vraiment nul. C'est vraiment nul. Ok, il craint l'épée, ça c'est plutôt une bonne chose. Ce qui fait que... Ah, maître d'armes. C'est vrai qu'on est maître d'armes avec Ikari. 6 fois, ça on n'a pas besoin. Les dégâts physiques à un ennemi avant de rester sur la défensive. La défense physique du personnage est élevée, puis les dégâts seront considérables. L'attaque chargée inflige d'importants dégâts au bâton à un ennemi. Ah. Et au bâton celle-là. Non, mais on va faire juste l'épéiste. On va faire la taillade et puis c'est tout. Ok, donc on est à 80. On va être à 96 000, quelque chose comme ça. 96 000. Il n'y a pas de malus, donc il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. On pourrait faire le déferlement élémentaire. Ok, il n'a fait absolument rien d'intéressant. Est-ce que je peux appeler quelqu'un? Murmure malfaisant. Come little lamb. My turn. Et Ikari qui le tape. Dame. On risque de prendre cher. La petite voleur, est-ce que je peux pas réduire la puissance de la défense physique? You're open. En vrai, c'est pas mal. Ah, mais c'est déjà réduit, je crois. Oui, c'était déjà réduit. Aïe. Aïe, Oswald a pris cher. Temenos aussi. La petite épéiste, on va faire la taillade. Paf, paf, paf. Et on va faire une aptitude de feu. Pain, non. On a perdu tous les PE avec Froné. Qu'est-ce que ça fait ça? Ah, c'est murmure malfaisant. Ah! Évidemment. Ah bah ça c'est pas cool du tout. Ah c'est pas cool mais alors pas Now du tout. It begins. On va juste faire ça. You're in for it now. Ça tape quand même pas mal. Et c'est l'arc qui craint. L'aptitude de mage, on va faire... Il ne touche plus seulement lui, mais aussi pendant ses alliés. On va faire ça. Hop. On va faire objet. On rend beaucoup de PT à un allié. Ta 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 ta. En attendant, on va faire objet. Non, on va faire chasseur, pardon, non, voleur. Vive pas.
C'est vraiment très con parce que... On perd pas mal de... On perd pas mal de temps. En même temps, il nous a bien éclaté, donc... Boule de feu. Ok. Et Oswald, aptitude et mal du coup. Permet aux deux malus, c'est en bonus, 4 malus. Faire 4 malus en statistique et bonus. Hop. Normalement ça devrait être pas mal là quand même. My turn. Là c'était pas si mal. Donc chasseur, on va faire deux tirs chassés comme ça. Piu piu. On a mis en moins, je sais pas, j'ai complètement perdu le fil. Le fil de ces PV. On fait un déferlement élémentaire ou. Juste un coup de feu. On peut également faire ça, hein. Ça en PV, ça. Fin l'ombre. Ça rend 67 PV. Ouais, très efficace, effectivement. C'est nul. Il est pas assez fort, je pense, Oswald, pour utiliser le mage pleinement. 1, 2. Je peux utiliser jusqu'à 3. 5 fois, c'est bien ça. My blade sinks. Time to strike. Very well. Aptitude prêtre. Aptitude érudit. Eh oui, non. Je peux pas augmenter la puissance physique. Augmente la puissance d'attaque physique et élémentaire d'un allié. Voilà, ça c'est bien ça. Here you go. Hop. Elle vient de s'échouer. Oh mais non. Mais elle sert vraiment à rien elle hein. Ah fait chier. Ouais elle sert à rien. C'est la lame de Brand Ah quoi que. 23, ouais mais ça aurait pu être plus. Ready? Tu sais il a pas les dégâts physiques augmentés, c'est chiant. Je peux quand même le faire. Hein. Attaque à l'épée sur un ennemi. Ouais. C'est quand même pas dégueu ça. Ouais, 6000. C'est pas foufou non plus. On va faire ça. Hop. Thinking time. De mage en 3 tours, ouais, on va faire ça. Je vais absorber beaucoup tant que ça touche pas Oswald. Aïe, ça va. Okay, en vrai, ça va. On va éviter d'appeler l'autre conne, hein, elle sert à rien. Mais vraiment, est-ce que ça fait des dégâts ça? Je suis pas sûr. Hein. Ouais, non, ça ça fait que dalle. Œil pour œil. Ah! Aïe! Ok, d'accord. Faut le taper avec précision, avec ouais, efficacité. Ok, on se prend 600. Aptitude mage, du coup, on va faire le ça, bonus. Prepare yourself. Et là il faut taper là. Le problème c'est qu'il faut taper des 7 d'un coup. Parce que si je fais. Bon, les gars physiques sur la défensive c'est un peu nul. Faudrait que je fasse la taillade. Il arrive à prendre cher hein, si je fais la taillade. Il va prendre 3 coups. Hein. Ouais c'est ça. C'est pas si grave que ça. Aptitude chasseur.
Non, voleur, on va lui faire baisser sa... sa défense physique. Ouais, mais il a pas de PE là, Ikari. Ça, c'est un peu chiant. My turn. Je suis obligé de faire la taillade 4 fois là. My blade sings. Now. Hop, ça, ça dégage. Préparation des blessures. Wing. C'est gentil. Now then. Tissu dérivé, est-ce que je peux pas faire éclair des génies? C'est pas mal ça. Eureka. De bonus de statistiques. Oh dear. C'est pas trop mal. On va faire ça, attitude prêtre, et on va essayer de regagner des PT. Ça va être pas mal là, ouais. My turn. Attitude voleur, 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 voleur. Toi tu es en baisse totale. Inflige des dégâts, est-ce que je peux lui voler quelque chose? Vol impossible, génial. Dégâts d'ombre à un ennemi. Attaque sournoise, on n'est pas très élevé. Je pourrais lui réduire sa vie, ses attaques physiques. En vrai. Here I come. Bon, et Ikari, le problème c'est qu'il a plus de pété quoi. I'll keep my friend safe. Puis de très lourds dégâts à l'épée à un ennemi. Je crois que c'était mieux ça. Hein. Hienka. Fait 9000 dégâts, ouais, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. C'est dommage de pas l'avoir augmenté quoi. Ouais, les PV, il y a une faiblesse. Est-ce que lui. En vrai, on pourrait se faire ça. Croisement magique. Ça fait 3 aptitudes. On va faire une aptitude des pays de maître d'armes. Plus l'attaque élémentaire du personnage est élevée, plus la défense physique et plus l'attaque est chargée longtemps. Pas par 6 fois un ennemi au hasard. Bon, on va faire ça. Hein. On met quand même pas mal de dégâts, je pense. Hein. Ouais. Ça, avec des PE, vous observez vos sorts. Ah, c'est les sorts là. Donc en vrai, les sorts on s'en fout complet. Vous voyez donc les formes les plus pures de mon art. Ça c'est un peu plus dérangeant. Là l'attaque ne sert à rien. On va juste faire une analyse du coup, savoir combien on en est. Il y a 21 000 PV, ok. C'est pas tant que ça. Ça se répare. Je vais attaquer 2 fois avec ça. Je vais faire chasseur. Hein. Je vais en faire 4, 5 même. 5. Trois et 5. Non, vaut mieux juste vu qu'elle réattaque avant qu'il n'attaque. J'ai besoin de faire ça maintenant. Oswald. Oswald, il n'y a que bâton et adaille. Hein. On va dire que ça sert pas à grand chose. Je peux pas rendre des PE à Ikari. On rend tous ces PE, hein. Ouais, c'est beaucoup ça. Augmente la puissance, on pourra le faire. Rend beaucoup de PT à un allié, augmente sa défense élémentaire. Rend moins des PT. Rend des PE à un allié, augmente son taux de coup critique et sa pression pendant 5 tours. C'est pas si mal. Ça, ouais, c'est pas mal. Là, je peux taper combien de fois? 3. Si je fais 3 là, il passe à 5. Et derrière, Roné, elle peut les faire les 5. On est bon. On va faire un objet. On va augmenter les. La défense physique, ah il n'y a pas sa défense physique. Est-ce qu'il est déjà augmenté lui? Non. Dame. En épée pété, si vous voulez l'augmentation de physique là. Tintin, 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 tintin. On monte la puissance d'attaque physique élémentaire. Allez, hop.
Here you go. Ça, c'est pour Ikari. Ready? La petite chasseur. 4 fois. Watch me. Je vais te faire ça. Not this. Hop. What to do? Et ensuite, à l'épée. Now it begins. J'ai Ikari de toute façon avant. Ouais, donc je peux juste faire. Ah, j'aurais dû faire un soumission flûte. Soumission, je l'ai 3 tours là. Enfin, la lance critique. Voilà, voilà. On va faire Oswald. Sait-on jamais. DPT, c'est ça. Ça peut rendre DPT. Quand même puissance élémentaire. Non, défense élémentaire. Ça se fait 2 fois. Ça rend combien de PT ça? 19. Waouh. Pourtant, ça l'a tapé 2 fois. Donc, c'est 0,5%. Ouais, c'est vraiment nul. Hein. C'est 0,5%. Throné, throné. Il faut que je baisse la. Voilà, hop. Il fait la défense physique, la défense physique. Mais c'est, il a déjà la défense physique. Sa défense physique est déjà naze. C'est son attaque là. Non, ça, c'est sa défense physique. Donc aptitude, on va faire des objets. On va rendre des PT, voilà. Rend des, non pas des PV. Rend des PT à un allié, voilà. Hop. Tiens Ikari, à toi. Bon, ça devrait le faire là avec la lame de brand. Hop. Est-ce que c'est vraiment la lame de brand qui fait le plus de dégâts? Oui. Et oui, oui. Tout à l'heure on avait fait 23 000 parce que 23 000 il n'y avait pas eu les. Tonfa. Ok. Il n'y avait pas eu les. La puissance des attaques physiques des Kiri augmentée. Mais là oui. Donc c'est quand même pas dégueu. Et ça nous régénère à chaque fois. Ça c'est plutôt bien. Est-ce qu'on peut apprendre des aptitudes? Ben là non, j'ai 30 000 PC, ça sert à rien. Mais si on le garde maître d'armes, va falloir que j'apprenne d'autres trucs pour avoir des passifs qui pourraient être intéressants. Notamment lui, il a regain de PT. Les effets actifs sur le personnage ne disparaissent pas même si c'est meilleur combat. Il décupe la magie. Non, ça c'était pas fifou. Lui il gagne des PT, les gars subis par le personnage. Ça peut être intéressant quand même, si. Permet au personnage de survivre avec un PV et une attaque létale une seule fois pendant 3 tours. Plonge d'un tour les malus de celle-ci qui inflige à tous les ennemis. Permet à un allié d'envoyer une fois une attaque élémentaire. La barrière réflexive est cool. Est-ce qu'on fait pas le saut d'immortalité? Si on est un peu dans la merde, on peut faire ça, ouais. La mémoire immuable, les effets actifs sur le personnage ne se passent pas même si c'est meilleur de combat. Ouais, ça c'est semi-intéressant. Guerre de génie. Ouais, je sais pas si on a besoin d'augmenter ça, porter Ménos. Est-ce qu'on a besoin qu'elle reste chasseur, elle, je suis pas sûr non plus. On va rien faire pour le moment. Pas besoin de la mémoire immuable. Ah, il y a deux bonus d'expérience, donc ça sert à rien. PT plus max, c'est bien ça. Maître offensif, ça fait quoi ça? Ok. Bon, ça se fait qu'il l'est également. Ah, mais tout le monde l'a en fait. Ah, tout le monde a le maître offensif parce qu'on a eu l'aptitude, parce qu'on a l'arme. Ok, ok, intéressant ça. Maître d'armes, tout le monde a l'aptitude de défense. Troisième étage de la pagode. On risque de se couper en plein milieu, hein, du combat. Passer à la quatrième épreuve. On risque de couper en plein milieu du combat. Oula. Aïe. Ça craint la lumière, ça serait plutôt bien. Fester indigeste. Ah, Oswald qui dégage. Ça, c'est moins bien. Ça, c'est beaucoup moins bien. Blaze on, oh sacred flame. That's
Ok, l'œuf a dégagé. Très vite. C'est plutôt bien. Il craint pas la dague. On va avoir toutes les armes qu'il craint. Juste la hache. Non, la hache et l'arc. C'est pas cool ça. Parce que la hache, il y a que Ikari qui l'a. Est-ce que j'ai la double Tomahawk? Je suis pas sûr. Hein. Tu l'as prise, rossé. Tranchage triple, flèche multiple. Tire tous les ennemis avec son arc, décoche entre 3 et 5 flèches. Ça peut être pas mal. Bon, c'est tous les ennemis. Hein. 3 et 5 flèches, 5 flèches. Pas mal. En vrai, ça c'est pas mal. Merci, Ikari. Ah, c'est toi qui as la double Tomahawk. Bon, ok, je crois que c'était la double Tomahawk ça, mais non. Alors, les PT, il va falloir qu'on s'en rende. Hein. Régénère les PV d'un allié en ignorant ses PV maximum. Ouais, mais ça c'est bien. Que contre. Ah, Ikari, ça peut être pas mal de faire ça. Combien de PV là? Ouais, 800 de plus. C'est pas fou, mais c'est pas mal. Alors, attaque. Aptitude voleur, là, l'attaque en premier. On va faire l'attaque sournoise. Hein. Paf. 9999. Ouais, ça c'est pas dégueu. Ça tape. Aptitude érudit, on va juste l'analyser. Pour savoir combien de PV il a. 100 000 aussi, il est plus qu'à 79. Ok, il a la physique augmentée et là il y a tout qui est augmenté. Bah, c'est parfait. C'est vraiment parfait ça. Est-ce que je peux pas faire objet? Ah non, je vais faire un aptitude érudit. Croissement magique, amplifie par deux fois la magie d'un allié au rang supérieur. On va faire ça sur Roswald. On peut pas faire ça avec les attaques physiques. Comme ça, Ikari tape deux fois. Petit fil épéiste, et on va faire la lame de Brand. Ça devrait lui faire 43 000 dégâts là. 34. Ok. Bon, en vrai, c'est quand même pas dégueu. 34, donc il est passé de quoi 60, de 80. Non, 79. Ouais, il est passé à 50 quoi. Ready? Non, pas du tout. Il a pris 60 000 dégâts là. Comme il était à 100, il a 40 000. Ok, bon là, il a plus rien là. Objet, on va lui rendre des PT à l'autre là. En tout CPE, ouais, non, c'est beaucoup ça, tout CPE. Rendre des marrants des PT à tout. Ah non, à un allié. Rend beaucoup de PT à un allié. Prends des PT toi. Voilà. 70 PT, c'est pas mal. Very well. Aptitude prêtre. Qu'est-ce que je pourrais faire comme aptitude prêtre? Aptitude prêtre. Bouclier protecteur. 50% du prochain coup. Allez. Ça me va. Ikari. Aptitude épéiste. Non. Aptitude maître d'armes. On va voir s'il craint encore les armes physiques. Il craint l'épée, il craint le bâton. Ça c'est plutôt bien pour nous. Il craint plus l'arc. Ok. Il craint le bâton par contre. Aptitude érudit. Ça veut dire qu'il craint les trucs élémentaires là quand même. Saut d'inversement pendant 3 tours. On va faire. Pendant 3 tours les aptitudes. En 7 tours. On va faire pendant 3 tours les aptitudes, touche tous les alliés. Ça me plaît bien. On va donner un coup d'épée. Ensuite, est-ce que Temenos il peut taper 2 coups de bâton? Enfin, il pourra en taper 3. Et Ikari il pourra taper 1, 2, il pourra en faire 4. Je vais faire les coups d'épée. Il y aura un deuxième PE. Il faut que j'ai que 3 du coup. Kari peut faire 3. Est-ce que Throné peut faire 3? Non. Throné elle peut faire que 2.
Donc on est à 5. Il faudrait que Temenos puisse faire 4. Est-ce que Temenos puisse faire 4? Non, par contre, Oswald il peut taper en fait. Il est pas obligé de faire ça. Il est pas obligé de faire son truc maintenant. Ouais, donc on va faire ça. Oswald il va tout taper. Non, ça va pas trop nul l'attaque. Oswald. Il va taper 3 fois. Ça passe à 5. Temenos. Il va faire le spectre magique. Et ça tape à 3. Et ensuite, Ikari. Fait de la taille à l'agressive. Lui, il est brisé. Alors ensuite, on fait trôner. Aptitude de voleur. On lui dit. À lui, à défense physique. Il réduit sa défense physique. You're open. Ensuite, Temenos. Ensuite, prêtre. Temenos, il va lui donner. Il va lui donner un PE. En rang des PE, un allié. Here you go. Many thanks. Et Oswald. No. Il va lui augmenter sa puissance physique. Augmente la puissance de l'attaque élémentaire. Augmente la défense physique. Non, je vais pas là. Augmente la puissance de sa attaque physique et de sa défense physique pendant le tour. C'est bien ça. Use this. Many thanks. Hop. Et ensuite Ikari. On fait les puissances. On fait la lame de Brand. Hop. Il devrait partir. Ah non merde, il est pas parti. Flûte. Il faut lui faire le PE d'avant. Alors lui il est parti par contre. L'ennemi concentre toutes ses forces. Ouais mais ça c'est embêtant. Il doit vraiment plus avoir beaucoup de PV. Hein. Éclat de lumière. Une fois les dégâts à l'ennemi à l'épée. Quand même bien le buter ça non? Non même pas. Feel my wrath. 4 fois. Si je le tape 4 fois. Hop. Un petit dépaysse. Kai le tape 3 fois. Et Froné, elle le tape une fois. Je vais faire ça, hein. Ok, il est mort. Je me disais, il y a quand même. C'est censé mourir là. Et en vrai, ça se passe plutôt pas mal, hein. Ça se passe plutôt pas mal. Bon, je sais pas combien il y a d'étages par contre à la pagode. Hop. On est au 3ème étage de la pagode. Et en plus, on a pu faire les 2 étages du coup dans la dans le même épisode. Plutôt bien. Ah là, on n'est pas full. On n'est pas full là. Ah. Merde alors. Inventaire. Elle est bien ton fa peut-être. On peut lancer un contre. Ah oui, elle m'a l'air très très bien. On va la mettre sur trôner. Ah oui. Ah bah oui, elle est super forte cette arme. Rendre des PV un allié. Voilà, et on va rendre des PT à un allié. Hop, voilà. Et en équipement, du coup. Couteau de Magnus, on va faire équipement recommandé. Ton fa. Et Marietta. Pour qu'il mort instantané. Ouais, ton fa, elle tape à mort là. Elle tape à mort. Très bien. Ok. On va s'arrêter là donc pour cet épisode d'Octopath Traveler 2. On se retrouve dans le prochain pour la suite. Ciao ciao tout le monde.